Alors, chacun prend le temps de s'installer dans la posture de méditation aujourd'hui. On peut s'accorder encore de bouger. Et puis prendre une grande inspiration et s'installer en déposant les paupières sur les yeux. Et ainsi faire abstraction de tout ce qui nous entoure. Inspire et expire. On laisse toutes les pensées. Rien d'autre n'a d'importance que ce moment que l'on s'accorde. Relâché. Détendu. On peut, si on le souhaite, visualiser la posture. Inspire et expire. Et envoyez le relâchement, l'information de relâchement dans une zone qui peut-être pourrait paraître encore un peu tendue. Si quelques pensées reviennent, les laissez passer et revenir à la voix, à la musique. Mais surtout aujourd'hui aux sensations. Dans cet exercice nouveau que l'on va découvrir aujourd'hui, une pratique japonaise, le Jinshin Jutsu, qui a pour objectif de stimuler l'énergie et d'équilibrer les émotions. Tranquillement, j'inspire. J'expire, je relâche toujours une respiration le plus détendue et calme possible. Et aujourd'hui, je vais découvrir une technique de toucher pour harmoniser ma propre énergie corporelle. J'équilibre mes émotions en stimulant mes méridiens. Chaque doigt est connecté à différents organes et émotions, attitudes. Je vais vous guider aujourd'hui. Dans l'idée de calmer, apaiser, et à force de pratique, guérir, harmoniser totalement le corps. L'impression, l'envie, le besoin d'harmoniser quelque chose aujourd'hui ou pas. L'idée de découvrir la technique est que le corps, lui, utilise ce qu'il ressent. On va commencer par la main droite. Et avec tous les doigts de la main gauche, sans effort, nous allons envelopper le pouce de la main droite. Percevez la chaleur. La douceur de vos doigts. Prenez le temps
une à deux minutes pour chaque doigt de chaque main. Envelopper le pouce va apaiser les inquiétudes, l'anxiété, un état dépressif. L'organe associé est l'estomac. Associé à la rate. Ainsi, on pourra apaiser les maux d'estomac, les maux de tête, les problèmes de peau, de nervosité. Toute l'attention est portée sur le pouce, enveloppé chaleureusement. Puis on va lâcher le pouce et envelopper l'index. Agréablement, toujours juste envelopper chaleureusement, sans effort. Porter toute l'attention sur l'index et associer l'idée de se libérer des peurs, consciente ou inconsciente, de la confusion mentale, de la frustration. L'index est relié au rein, à la vessie. En enveloppant ainsi chaleureusement l'index, on va éloigner les problèmes digestifs, l'inconfort au niveau du poignet, du coude, du haut du bras, les douleurs musculaires et les douleurs de dos, les problèmes de dents, de gencives, ainsi que les dépendances, de quelque nature qu'elles soient. Puis on va lâcher l'index et envelopper chaleureusement le majeur. Toujours sans effort, agréablement. Toute l'attention est maintenant portée sur le majeur. Avec l'intention de se libérer des colères, des sensations d'irritabilité, de l'indécision. On va développer la capacité de créativité. Le majeur, toujours enveloppé agréablement. L'organe associé est le foie. Avec la vésicule biliaire. Le majeur ainsi enveloppé,
va nous aider dans les problèmes liés à la vue, à la fatigue, aux migraines et aux céphalées frontales, aux crampes menstruelles, aux problèmes de circulation. Toujours inspirez et expirez lentement. Toute l'attention portée sur la chaleur de la main gauche qui enveloppe successivement les doigts de la main droite. Puis on va lâcher le majeur et envelopper l'annulaire. Toujours chaleureusement, toujours attentionné. L'annulaire lié à l'émotion de la tristesse, la peur du rejet, du chagrin, à la négativité en général. L'organe associé, le poumon, avec le gros intestin. Ainsi, en enveloppant l'annulaire chaleureusement, on va aider les problèmes digestifs, respiratoires, comme l'asthme par exemple. Les bourdonnements dans les oreilles, les acouphènes. Ou encore les problèmes de peau, sérieux. L'annulaire, agréablement enveloppé, puis on va laisser l'annulaire et envelopper l'auriculaire, chaleureusement toujours. À l'annulaire sont associées les émotions et attitudes comme le surmenage, la sensation d'insécurité, de nervosité, la peur de jugement, la faible estime de soi. L'organe associé à l'auriculaire est le cœur. Ainsi que l'intestin grêle. En enveloppant chaleureusement l'auriculaire, on s'occupe des problèmes osseux ou nerveux, les problèmes cardiaques, de pression artérielle, les maux de gorge, les ballonnements. Agréablement
auriculaire, chaleureusement enveloppé toujours. On va lâcher la main droite pour s'occuper de la main gauche. On commence à nouveau à envelopper le pouce de la main gauche, cette fois avec la chaleur de la main droite. On peut même imaginer les couleurs. Ainsi, autour du pouce, on verra une couleur jaune associée à l'estomac, la rate, à l'émotion. À l'attitude d'inquiétude, de stress, de tension. En enveloppant le pouce, on se libère de cette inquiétude. Toujours une belle couleur jaune autour du pouce. Puis on peut laisser le pouce et envelopper chaleureusement l'index de la main gauche avec la chaleur de la main droite. Tout le corps totalement relâché, détendu et toute la tension portée sur les doigts enveloppés. L'index, on peut faire venir la couleur bleue associé à l'organe du rein, à la vessie, pour se libérer des peurs conscientes et inconscientes, des problèmes de dos, de digestion, physique ou morale. Envelopper l'index agréablement. Chaleureusement. Puis on va libérer l'index et envelopper le majeur de la main gauche avec la chaleur de la main droite. Légère, attentionnée, une belle couleur verte si on souhaite venir faire venir les couleurs, et apaiser le foie et la vésicule biliaire, des émotions et des sensations de colère, de frustration, de fatigue, d'indécision. Le majeur. Enveloppez chaleureusement. Permet à tout le corps de lâcher ce dont il n'a plus besoin, de se renforcer, de s'apaiser.
On va libérer le majeur et envelopper chaleureusement l'annulaire gauche avec la main droite. Si on souhaite faire venir les couleurs, on imagine un gris foncé autour de l'annulaire. Cette couleur associée aux poumons, aux gros intestins. Et en réchauffant l'annulaire, on va se libérer des émotions de tristesse, du chagrin. Améliorer sa capacité respiratoire. Relâché, détendu, calme. Pour terminer, on va lâcher l'annulaire et envelopper chaleureusement l'auriculaire. Faire venir une belle couleur rouge si on le souhaite. Et libérer tout le corps de la sensation d'insécurité, de surmenage. Apaiser le cœur et l'intestin grêle. Libérer la gorge. Puis je prends une grande inspiration, je relâche mes mains, sachant bien entendu que je pourrais refaire cette méditation aussi souvent que j'en aurais envie, et je pourrais bien entendu envelopper mes doigts indépendamment les uns des autres si je veux me libérer d'une émotion, d'une sensation particulière, je peux utiliser directement le doigt concerné. Mais pour aujourd'hui, je vais garder tous les bienfaits de cette méditation, réimaginer la pièce dans laquelle je me trouve, accepter de mettre fin à la séance, et doucement revoir la position de confort que j'avais choisie, reprendre du tonus en bougeant les doigts, les orteils, je peux m'étirer ou bâiller, me frictionner, et quand je l'aurai choisi, je pourrai rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant.